Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée, dédiée à un exercice pour les épaules. Il s'agit du tirage menton. Donc cet exercice va principalement solliciter le faisceau latéral de votre deltoïde, de votre épaule, ainsi que le faisceau postérieur et bien sûr les trapèzes. Accessoirement, ça va solliciter également les avant-bras et le biceps. Donc au niveau de son exécution, sachez que le tirage menton peut être effectué avec une barre droite, avec une barre Z, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous pouvez aussi l'effectuer à la poulie ou éventuellement aux haltères. À vous de voir sous quelle forme vous êtes le plus à l'aise. Le tout étant d'avoir quand même de respecter les points clés de l'exécution de ce mouvement que nous allons voir de suite. Donc aujourd'hui, personnellement, j'ai opté pour une barre EZ. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'à maintenant nos vidéos, pourquoi la barre EZ? Tout simplement parce que cette forme un petit peu incurvée limite le stress au niveau des poignets. Et il faut savoir, les amis, que le tirage menton est un exercice efficace, soit, mais qui est quand même assez reconnu pour ses pile ou face. Soit vous avez, soit il va vous déclarer des petites douleurs au niveau des épaules, aussi, mais au niveau des poignets, soit vous n'allez absolument rien ressentir. Quoi qu'il en soit, testez-le, et pour le tester, autant le tester dans les meilleures conditions, donc cette vidéo vous sera tout aussi utile. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc moi je vais utiliser une barre Z. Donc au niveau de la prise, plusieurs prises possibles. Pour les épaules, pour notamment le faisceau latéral de l'épaule, je vais opter pour une prise largeur d'épaule. Petit aparté, mais je ferai une petite vidéo dédiée à cette version. Vous pouvez réduire la prise à l'intérieur de votre largeur d'épaule. Là, on insistera principalement sur le travail des trapèzes. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, on va travailler le faisceau latéral et postérieur. Donc, je vais opter pour une prise largeur d'épaule, d'accord? Le bras sont tendus, toujours le petit flex. C'est important, les amis, que la barre soit limite contre le corps. Ne l'écartez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le début de l'exécution de l'exercice va vous demander, d'avoir les épaules en position arrière pour véritablement bien solliciter le faisceau, notamment postérieur, ainsi que les trapèzes. Si vous gardez la barre éloignée du corps, vos épaules vont être projetées vers l'avant. On perd toute cette tension sur le faisceau latéral, sur le faisceau postérieur et aussi sur les trapèzes. Donc les amis, s'il vous plaît, gardez cette barre contre le corps. Donc les épaules vont être en position arrière. Pour ça, on fait une légère adduction des omoplates. Je reste bien droit, je gagne bien au niveau des abdominaux. Légère flexion au niveau des genoux pour limiter, encore une fois, la contrainte au niveau des lombaires. Je regarde droit devant moi. Et là, en inspirant, alors petit aparté aussi, vous êtes nombreux à expirer automatiquement dès que vous êtes en phase concentrique. Je ne vais pas vous dire que vous avez tort, mais je ne vais pas vous dire également que vous avez raison. Notamment pour cet exercice, il est intéressant d'inspirer et de bloquer sa respiration, cette fameuse manœuvre de Vassalva, lorsqu'on est en phase concentrique, lorsque vous allez tirer la barre. Pourquoi? Parce que la manœuvre de Vassalva, comme vous le savez pour certains, va augmenter la pression intrathoracique, la pression intra-abdominale, ce qui va notamment avoir pour effet de stabiliser votre colonne vertébrale, donc d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus stable, ce qui va éviter tout mouvement, tout déséquilibre, mais également, vous êtes beaucoup plus fort lorsque vous maintenez cette manœuvre de Vassalva. Elle peut avoir des inconvénients, notamment chez les personnes qui souffrent d'hypertension. Donc la manœuvre de Vassalva à utiliser, soit, mais avec parcimonie. Le blocage ne doit jamais excéder 2 secondes, le blocage respiratoire, d'accord? Voilà, c'était une petite aparté. Donc pour aujourd'hui, je vais inspirer en tirant la barre. Donc, je gagne bien, je regarde droit devant moi, la barre est contre le corps, mes épaules sont en position arrière, et là je vais tirer en inspirant la barre jusqu'à ce que mes coudes soient à hauteur de mes épaules. Pas au-delà, les amis, pas au-delà. Pourquoi? Rappelez-vous la vidéo sur les élévations latérales, c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, on veut solliciter le faisceau médian, le faisceau postérieur, en aucun cas nous ne voulons solliciter les trapèzes. Je vous rappelle, comme pour les élévations latérales, si nous dépassons la ligne d'épaule, premièrement, vous risquez d'enflammer le sus épineux, qui est un muscle de la coiffe des rotateurs, enfin qui est un ligament actif, c'est-à-dire un muscle qui tient lieu de ligament, qui est souvent, responsable de petites douleurs au sein de l'épaule. Donc encore une fois, ne dépassez pas la ligne des épaules, encore une fois, dans une optique de travail des deltoïdes, ça ne sert absolument à rien. Mais savoir aussi que si on dépasse le plan de l'épaule, ce n'est plus l'épaule qui travaille,
ça va être le trapèze qui va prendre le relais. C'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Donc, saisissez bien la barre. J'inspire. Je monte la barre jusqu'à ce que mes coudes arrivent à hauteur, d'accord, de mes épaules. Je contracte fortement. Comme vous pouvez voir, mes épaules sont en position, mes coudes sont en position arrière. C'est-à-dire qu'ils tirent vers l'arrière. Mes épaules aussi sont en position arrière. Et je redescends. Important, les amis, ne pensez pas à vos mains. Ne tirez pas avec vos mains. Sinon, ça va se transformer en exercice où vous allez arrêter votre série parce que vous aurez mal aux biceps et non aux épaules. Je vous rappelle encore une fois, hein, concentrez-vous sur la montée des coudes. Ce sont les coudes qui montent. Voilà, coudes. Tire vers l'arrière, épaule en position arrière. Une fois que mes avant-bras sont, une fois que mes bras sont dans la ligne de, sur l'alignement de mes épaules, je redescends. Allez, on fait une petite série. Maintenez la contraction une petite seconde en haut. Allez, épaule bien en arrière, les coudes bien en arrière, je les lève. Je pense bien, regardez bien, mes mains sont là uniquement qu'en temps de crochet. Je tiens bien et je redescends et je pose. Donc voilà, cet exercice, vous réaliserez 4 séries, 8 à 10 répétitions, temps de repos, hein, 8. Temps de repos, 8 minutes, ça va faire un peu long. Temps de repos, 2 minutes. Donc voilà, encore une fois, cet exercice est un très très bon exercice. Mais gardez bien en tête, personnellement, c'est bien de vous le montrer. Il faut que vous sachiez le faire, encore une fois, pour le tester dans les meilleures conditions. Personnellement, ce n'est pas mon exercice préféré. Car il peut, je n'aime pas les exercices qui peuvent engendrer des petites blessures ou alors des désagréments qui ne sont pas confortables au niveau articulaire, notamment pour les poignets et pour les épaules. Donc encore une fois, vous avez plusieurs variantes. Sachez qu'à la poulie, notamment la poulie, vous aurez moins de stress au niveau articulaire, donc vous pouvez tester la poulie. D'autres personnes sont beaucoup plus à l'aise avec les haltères. Encore une fois, ne chargez pas trop. Travaillez surtout la sensation, travaillez la technique. Mais la conclusion, c'est que si cet exercice ne vous réussit pas, ne le faites pas, les amis. Mais encore une fois, pour le tester, il faut le tester dans les meilleures conditions. Certains exercices, même s'ils sont très très bons, on est tous différents, ne réussissent pas à tout le monde. Moi le premier, j'ai des exercices que je vais vous conseiller qui ne réussissent pas du tout. D'accord ? C'est pour ça qu'on me demande souvent quels sont tes exercices préférés. Les amis, je vais vous donner mes exercices préférés, ils ne marcheront pas forcément pour vous. On est tous différents, nous avons tous des sensations différentes. La musculation, c'est un grand voyage, d'accord ? On apprend à se connaître. Pour se connaître, il faut tester jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous réussit. Et encore une fois, mais pour tester, c'est dans les meilleures conditions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à tester cet exercice qui est intéressant à réaliser dans les meilleures conditions possibles. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, non plus en salle, mais en cuisine. J'aurai le plaisir d'animer la vidéo avec un ami et professionnel du milieu, un compétiteur, préparateur physique, coach en diététique, monsieur Philippe Cartry, donc un très bon ami à moi. Tous les deux, on tâchera de vous donner des conseils sur quels sont, d'après nous, les meilleurs pré-entraînements possibles pour véritablement faire de super séances. Donc voilà les amis, écoutez, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bonnes séances. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. À la semaine prochaine. Bye bye, salut.